大家好，我叫李海燕，我于1975年出生在中国浙江省，是在文化大革命的末期。那么在我出生的时候呢，中国是世界上最穷的国家之一，我们村里的小孩从来没有有过任何的玩具。我的父亲呢，也是在1988年的时候才买了他的第一辆自行车。Aujourd'hui, la Chine est l'une des plus grandes puissances économiques du monde. Et même les cafés de Starbucks se vendent plus cher à Pékin que dans certains pays développés. Mais la Chine aujourd'hui est confrontée à de nombreux défis structurels. Pollution, corruption, inégalité sociale. Et dans ce contexte-là, ces défis représentent également des opportunités d'investissement considérables. Afin de lutter contre la pollution, la Chine va continuer de développer l'énergie alternative. C'est pour ça que nous avons investi dans une société privée de distribution de gaz de ville qui s'appelle INN Energy. Depuis ma recommandation, la valeur a pris plus de 60%. L'essor des biens de grande consommation reste un thème prédominant dans nos portefeuilles. C'est ainsi que j'ai recommandé Magic, une société privée chinoise qui fabrique les masques de beauté que j'ai moi-même testés. Depuis ma recommandation, la valeur s'est appréciée de 220% grâce au rachat par L'Oréal. On n'a pas besoin d'aller en Chine pour connaître l'amour des Chinois pour les vignobles français. Lorsque je vais dans mon pays, c'est pour aller au-delà des évidences. Donc je m'appuie sur mon réseau local, des personnalités influentes, officiers du gouvernement, des économistes et des chefs d'entreprise. Je m'appuie également sur mon réseau personnel, mes parents, mes cousins, mes compagnons d'université. Ceci m'apporte une vision transversale indispensable à mes recherches et à la compréhension de l'évolution de la Chine.